Posso provare di parlare un po' in italiano perché la mia compagna è valdostana e anche lei lavorava prima nel corpo forestale come forestale in Valle d'Aosta, quindi parlo un pochettino d'italiano. Je m'appelle Frédéric Berger, je travaille dans un centre de recherche qui s'appelle IRSTEA, qui est l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Je suis forestier de formation, j'ai un diplôme d'ingénieur forestier et j'ai un double cursus, à savoir que je suis aussi docteur en sciences forestières, donc je suis passé par l'université. Ma spécialité, c'est la gestion des forêts à fonction de protection vis-à-vis des risques naturels. J'ai passé une thèse sur la problématique forêt avalanche et actuellement, je travaille depuis maintenant presque 20 ans sur la problématique des risques rocheux et comment la forêt peut limiter la propagation des chutes de pierres. Mi chiamo Dovigo Luca, sono laureato in scienze forestali. Ho iniziato il mio percorso professionale come istruttore tecnico presso i servizi forestali del Dipartimento delle Risorse Naturali. Ho avuto diverse esperienze lavorative, passando per attività legate all'agricoltura. In passato sono stato autorità di gestione del programma di sviluppo rurale, mi sono occupato di formazione del fondo sociale per approdare a questo incarico di comando del corpo forestale, attività che avevo già svolto nel 2007-2008. Je m'appelle Frédéric Bourbin, j'ai 47 ans et je suis garde forestier ici pour le triage éco-forêt, dont j'assume la tâche de directeur d'entreprise. J'ai commencé mon parcours professionnel il y a une trentaine d'années, d'abord comme forestier bûcheron. Donc j'ai commencé mon travail en forêt avec une tronçonneuse comme ouvrier. J'ai fait mon apprentissage ici à Ananda. Ensuite, j'ai été travailler dans une autre entreprise dans la région de Ried, toujours dans le Valais central, où là j'ai travaillé comme spécialiste sur les installations de téléphériques pour sortir le bois. Et puis j'ai décidé de continuer un petit peu mon parcours professionnel et j'ai fait la formation de garde forestier, de technicien forestier. C'est une formation sur 2 ans dans le canton de Berne pour pouvoir assumer après les tâches de direction d'entreprise. Et je suis revenu ici comme garde forestier en 1998, donc ça fait déjà bientôt 30 ans que je suis ici dans l'entreprise. Notre objectif principal, c'est de valoriser le patrimoine forestier comme structure de protection naturelle pour limiter les risques et donc garantir la viabilité dans la zone alpine. Dans le cadre de ce travail, on intervient beaucoup à l'international et entre autres, on travaille énormément sur les projets interrégionaux espaces alpins, franco-suisses et franco-italiens, qui sont des projets qui nous permettent de mettre en œuvre nos travaux de recherche appliquée, de développer des outils et surtout d'avoir un contact très régulier avec les collègues de terrain qui vont nous permettre d'orienter nos travaux de recherche. L'objectif, c'est qu'ils nous fassent remonter la demande sociétale et que nous, on puisse la transformer en axe de recherche
Et dans les 3 ans après cette formulation de la demande sociétale, on arrive avec des outils, des connaissances, des méthodologies que nos collègues de terrain vont pouvoir tester et vont nous faire remonter ce retour qu'ils ont de l'utilisation, non pas au quotidien, mais dans leurs problématiques quotidiennes, pour le coup, sur ces questions de mise en sécurité des biens et des personnes. A partire dal 1946, con decreto del capo provvisorio dello Stato, le attribuzioni e le funzioni del Corpo delle Foreste di Aosta sono attribuite ai servizi forestali. Fin da lontano 1968, nasce il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, assorbendo le funzioni di gestione delle foreste. Il Corpo Forestale della Valle d'Aosta è un corpo tecnico con funzioni di polizia, che è impegnato e specializzato nella difesa del patrimonio agroforestale, del territorio e dell'ambiente e concorre nell'espletamento delle funzioni di ordine pubblico e di sicurezza con una particolare specializzazione verso i territori montani e rurali. Ecco, questo è il limite basso della particella, sono tutte segnate di vernice rossa, quindi adesso entriamo nella particella e andiamo a scegliere le piante che verranno poi avviate all'abbattimento. Ecco, vedete che i confini delle particelle comunali sono tutti distinti da queste tracce rosse, okay, dipinte sulle piante al limite del confine della particella, quindi abbiamo una. Seguendo linearmente, già solo visivamente si può vedere l'altro segno, più avanti ce n'è un'altra, congiungendo tutte questi segni lasciati sulle piante si ha il confine della particella stessa. In questo caso siamo al confine tra due particelle comunali, nel caso in cui fossimo invece al confine tra una superficie pubblica a monte e una privata a valle avremo un segno anche bianco. Quindi 27 di diametro, il diametro viene preso a 1,50 m di altezza, 1,30 a petto d'uomo si dice. L'accrescimento della pianta non è necessariamente, non può essere descritto solamente dal diametro, perché ci sono situazioni in cui le piante hanno parecchi anni ma hanno situazioni di ombrosità o di situazioni anche di scarsa umidità o poca ricchezza del suolo che fanno sì che l'accrescimento sia minimo,
ma che la pianta abbia tantissimi anni. Per sapere esattamente l'età della pianta bisognerebbe fare un prelievo di una carota con una trivella apposita, si chiama trivella di Presler, nella quale si preleva questa carota e si riescono a contare gli anelli di accrescimento senza abbattere la pianta, altrimenti nel momento in cui la pianta è abbattuta basta vedere sulla ceppaia il numero di anni e si ricava l'età. Noi con la martellata cosa facciamo? Scegliamo delle piante per stabilità, per ramosità idonee, le scegliamo come dei candidati, cioè delle piante che saranno quelle che preserveremo nel tempo, e selezioneremo invece le piante instabili oppure quelle che sono concorrenti a quella che abbiamo scelto, proprio per offrire a lei le condizioni migliori per la crescita. Queste sono le placchette che utilizziamo, con le quali sono placchette numerate, con le quali praticamente vengono identificate tutte le piante che abbiamo martellato, che poi ritroviamo nel piedilista di martellata che compiliamo con i diametri associati. Oltre alla placchetta si imprime anche il marchio della stazione forestale. Nel caso della stazione di Aosta abbiamo CFV7 e questo è il martello forestale in dotazione a ciascuna stazione, che è lo strumento col quale si certifica la possibilità di tagliare la pianta. L'exploitation forestière est organisée de la manière suivante, le garde forestier, les deux gardes forestiers, puisque nous sommes deux, nous réalisons la planification sylvicole en début d'année, donc on choisit les secteurs de forêt prioritaires qui devront être traités durant l'année. Ce programme est ensuite contrôlé par le service forestier cantonal et validé par l'ingénieur d'arrondissement, donc pour mon supérieur hiérarchique au niveau du canton. Et puis ensuite, libre à l'entreprise, donc à nous, de réaliser ces travaux durant l'année. Donc on planifie des coupes qui vont depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et bien sûr qu'on est obligé de travailler avec les conditions météo, donc surtout avec la neige. Donc quand la neige fond au printemps, les bûcherons montent petit à petit et on réalise des chantiers toujours plus haut en altitude. Et au mois d'octobre, avec l'arrivée des premières neiges, on redescend gentiment et on réalise des travaux en pleine durant l'hiver. Je suis Rémi Martin, je suis géologue géotechnicien de formation et j'ai eu un parcours professionnel dans les risques naturels depuis ma sortie de l'école. Je travaille aujourd'hui au service RTM de l'ONF. Le service RTM de l'ONF est un service spécialisé dans les risques naturels en montagne qui se trouve dans un service forestier l'ONF, car historiquement, l'origine de ce service, c'était la volonté de vouloir résoudre les problèmes de risque naturel en montagne par du boisement, donc par de la reforestation. Très rapidement, il s'est avéré que juste planter, ça ne suffisait pas, donc des services de génie civil, des services spécialisés en aléas, ont vu le jour au sein d'un service forestier, l'ONF. Mi chiamo Giancarlo Novazzi, sono vicecomandante del Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Sono nel Corpo Forestale da praticamente una vita, da più di 30 anni. Ho iniziato nell'87 a Châtillon per poi passare a Gaby, dove ho svolto tutta la mia carriera. Negli ultimi 10-15 anni ho fatto anche il comandante di stazione presso il Comando Forestale di Gaby. Per cui diciamo che sto mettendo a frutto tutta l'esperienza operativa in questa nuova veste che mi è stata affidata. Per quanto attiene il lavoro nelle stazioni forestali, sono 14 comandi dislocati sul territorio, solitamente composti da un comandante di stazione che è un ispettore, un ufficiale di polizia giudiziaria, più 2/3 sovrintendenti e 4-5 agenti. Dipende un attimino dalla grandezza del territorio, dalla giurisdizione che ogni comando ha. La vita in caserma è dettata praticamente dal comandante di stazione che settimanalmente prevede i servizi che vengono effettuati sul territorio, servizi che spaziano in tutto ciò che è
tutela dell'ambiente naturale, quindi dalla selvicoltura alla forestazione, da cui prendiamo il nome, corpo forestale, alla gestione della fauna con i censimenti, con i controlli venatori, con i controlli post-abbattimenti, eccetera, alla prevenzione e allo spegnimento di incendi boschivi, il corpo forestale è dotato di un proprio nucleo antincendi boschivi, a tutto ciò che è anche tutela dell'ambiente rispetto ai rifiuti, quindi emissioni magari incontrollate, depositi incontrollati di rifiuti al suolo, come inquinamenti idrici su cui noi facciamo in concerto con altri uffici regionali i controlli su tutto il territorio, su tutte le acque superficiali valdostane. Mi chiamo Biorge Gianluca, sono assistente capo in servizio presso la stazione forestale di Nus, appartenente del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, e oggi abbiamo fatto un prelievo presso uno scarico di acque domestiche proveniente da un insediamento abitativo per verificare l'eventuale presenza di inquinanti in quantità superiore a quella che viene stabilita dalla normativa. È stato effettuato questo prelievo tramite delle boccette sterilizzate che poi verranno avviate presso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, che effettuerà le analisi dovute all'interno dei campioni al fine appunto di verificare la presenza di inquinanti. Veniamo chiamati sovente o da utenti privati o da altre strutture regionali per effettuare questi prelievi presso scarichi sia domestici sia industriali, con il fine di verificare il rispetto delle normative e di verificare, in caso di sospetto inquinamento, la presenza di inquinanti nel limite superiore al dovuto. All'atto del prelievo, le operazioni preliminari sono quelle della misurazione della temperatura dell'acqua. Va verificato e annotato il tempo che in quel momento insiste sulla stazione di prelievo, tempo meteorologico, le condizioni di vento, di pioggia ed eventualmente la presenza di acque meteoriche che possono mescolarsi allo scarico e che possono influenzare la quantità di inquinanti in esso presenti. Il corpo forestale è articolato nel comando centrale, luogo in cui ci troviamo, e in 14 stazioni forestali. Il comando centrale è organizzato in diversi uffici che si occupano di aspetti e competenze diverse. Abbiamo l'ufficio di vigilanza ambientale, abbiamo il nucleo antincendio boschivo, un ufficio didattica che si occupa di divulgare l'attività presso le scuole, presso gli asili, quindi le scuole primarie. Abbiamo un ufficio che si occupa di contenzioso, di polizia giudiziaria, ma abbiamo anche dei servizi tecnici e logistici, quali il garage e le officine, per poter fare la manutenzione dei nostri mezzi che sono impegnati sul territorio, sia a livello di antincendio boschivo sia a supporto delle stazioni forestali. Siamo nella sede del nucleo antincendi boschivi del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, che è il nucleo centrale per quel che riguarda l'estinzione e il coordinamento delle attività antincendio boschivo in tutta la regione. In particolare qui presso il nucleo sono riuniti i mezzi terrestri di intervento. Si tratta di autobotti e mezzi appoggio
che sono particolari perché hanno delle caratteristiche che permettono di intervenire in terreni sconnessi e in situazioni che sono esterne a quella che è la viabilità principale che di solito viene utilizzata per gli incendi. Questi mezzi sono principalmente di tipo leggero e pesante e intervengono solitamente in maniera abbinata sull'incendio, in maniera a formare la cosiddetta unità d'attacco. Il mezzo piccolo è un mezzo che ha una limitata quantità di acqua, però permette di avvicinarsi all'incendio. Invece quello pesante, diciamo che rappresenta un pochino il mezzo di appoggio a quello leggero, in quanto ha una grossa quantità di acqua e di conseguenza riesce a rifornire e a prolungare l'intervento, quindi l'autonomia di intervento. In particolare i mezzi sono tutti dei mezzi 4x4 per poter appunto intervenire su terreni anche sconnessi, e hanno una grande caratteristica, che è, cioè una caratteristica particolare, che è quella relativa alla quantità di tubazione che quindi permette di allontanarsi anche notevolmente da quella che è la viabilità che è stata percorsa per avvicinarsi all'incendio. E poi ci sono diverse altre attrezzature, tra cui quelle che servono per far lavorare l'elicottero in cooperazione aeroterrestre, cioè far lavorare la gente a terra in posti dove non si arriva con i mezzi terrestri. Ma ci pensa l'elicottero, perché prende i sistemi modulari elitrasportati che vengono trasportati sull'incendio, e quindi il personale si ritrova praticamente a avere una piccola autobotte che riesce a gestire come avesse le ruote, però è senza ruote. Diciamo che le ruote sono rappresentate dall'elicottero che sposta queste attrezzature. Questo è molto diciamo utilizzato nel periodo estivo, quando abbiamo gli incendi causati dal fulmine, che si innescano in posti abbastanza distanziati dalle vie terrestri. Il sistema modulare elitrasportato è formato fondamentalmente da una cisterna di piccole dimensioni, 500 litri in questo caso, su cui viene fissata una motopompa con il corredo di tubazione, il cosiddetto NASPO. I 500 litri che vengono portati in quota non sono solo di acqua, ma vengono additivati con il ritardante che potenzia l'effetto estinguente dell'acqua e quindi permette a questo punto di andare a estinguere i focolai da fulmine, causati dal fulmine, che sono di solito di piccole dimensioni, e quindi è sufficiente una quantità di estinguente decisamente più limitata rispetto, per esempio, a altri incendi di maggiori dimensioni. S'il y a un incendio che si déclare, c'est en premier lieu les pompiers des différentes communes qui interviennent, et nous, on peut intervenir en renfort. Mais la tâche du service incendie est une tâche du service forestier cantonal et des pompiers qui sont engagés par les communes, mais pas du service forestier. Dans le cadre toujours des travaux du territoire, nous faisons aussi la mensuration des glaciers. Donc on a différents glaciers qui sont dans le haut de la commune. Et là, c'est une tâche qu'on fait par délégation pour le canton. Chaque année, nous allons mesurer le recul des glaciers, les épaisseurs de glace, etc. Per l'organizzazione di queste molteplici attività ci appoggiamo all'Ufficio Affari Generali, che mantiene il coordinamento tra le stazioni forestali e le attività che svolgiamo in concorso e in collaborazione con le altre strutture regionali, con i comuni, con gli enti locali e tutti coloro che
in qualche modo lavorano con noi. Un altro aspetto importante, un altro ufficio molto importante, è quello legato alla centrale unica di soccorso, con la presenza del corpo forestale all'interno della centrale, che risponde al numero nostro specifico, che è il 1515. Centrale che attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e che costituisce un validissimo supporto per ogni attività di informazione, richiesta di aiuto e quant'altro. Per quanto riguarda le stazioni forestali, queste sono distribuite su tutto il territorio regionale in maniera capillare. Gli uffici sono aperti 5 giorni alla settimana, ma esiste anche in questo caso una reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. L'Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel qui est responsable, pour faire relativement simple, de la gestion des forêts en France et des forêts communales et des forêts domaniales, c'est-à-dire des forêts achetées par l'État pour différentes raisons, dont la protection contre les risques naturels, et de forêts communales. L'ONF est en charge en fait de faire ce qu'on appelle les aménagements forestiers, qui sont des plans de gestion future des forêts. Et parmi toutes ces missions, il y a aussi cette mission de suivi des risques naturels en montagne, uniquement en montagne, donc qui est le travail du service RTM. L'Office national des forêts est composé de plusieurs départements, des départements qui vont être plus en charge de la gestion des forêts, des départements qui vont être plus en charge de la vente du bois, des départements qui vont être plus en charge de développement et de recherche, et des départements qui vont être plus en charge de problèmes environnementaux, et en complément, un département spécialisé dans les risques naturels et les risques en général, qui lui s'occupe de DFCI, la défense contre les feux de forêt, de problèmes de risque de dunaires, qui est une spécificité sur le côté atlantique où les dunes doivent être préservées, et de risques naturels en montagne, c'est la spécificité du service dans lequel je travaille. Solitamente una giornata tipo del forestale in caserma inizia con la presa visione già nei giorni precedenti del tipo di servizio che il comandante ha messo, sia per quel che concerne gli orari di inizio lavoro, sia per quel che concerne proprio l'attività che deve essere svolta. Solitamente, laddove è possibile, vi è sempre una pattuglia composta da due persone, due agenti forestali, che svolgono la loro attività come prevista appunto dal comandante di stazione. A fine attività si rientra in caserma, abbiamo un registro di servizio dove manualmente proprio viene descritta l'attività svolta, l'attività lavorativa svolta in quella giornata da parte della pattuglia, con gli orari di servizio che sono stati effettuati, e il tutto va poi sottoscritto di nuovo dal comandante di stazione. Guarda un po' se vedi qualcuno. Guarda, forse. Guarda lì, c'è. Sì, ce n'è uno. Sì. Ok. Probabilmente. Sì. Ascolta, stiamo un po' a guardare cosa combina. Sì. Ok. No, aspetta un attimo, che guardiamo prima cosa combina. Tanto qua non ci vedo. Dai, oh, ha preso. Era un po'? Sì. Andiamo fino lì a Fassebala, perché l'altro giorno ce n'erano due a pesca, avevano preso anche delle trote discrete. Com'è? Tutto bene? Pescato? Si fa vedere documenti? Hai una penna, perché io l'ho lasciata in macchina. Bene, sovente qui, la pesca. Sovente, buono. Adesso qualche giornata.
Pesca bene qualche varietà? Il servizio pesca viene svolto lungo le aste torrentizie negli specchi d'acqua della Valle d'Aosta. Viene effettuato un controllo dei pescatori mediante un'osservazione. Questa osservazione viene fatta a distanza in genere, dopodiché, dopo che si è osservato come si comportano, se è tutto regolare, ci si avvicina e si fa un mero controllo dei documenti. Legato all'aspetto faunistico c'è anche il fatto che ci appoggiamo al centro recupero animali selvatici di CAR, dove se vengono ritrovati degli esemplari di animali feriti o anche vivi ma intrappolati in qualche maniera da qualche parte, vengono recuperati dal personale forestale, portati al centro recupero appunto animali selvatici, dove dopo una visita del veterinario, dopo tutta una serie di trascorsi per la riabilitazione, solitamente poi vengono rimessi in libertà. Può succedere per gli ungulati, camosci o caprioli, soprattutto i caprioli piccoli in primavera, dove quando c'è lo sfalcio dei prati, la mamma dei caprioli li lascia un attimo da soli perché è impaurita magari della presenza umana, l'uomo li vede, li tocca, a quel punto la madre li lascerebbe in natura, quindi vengono portati da noi che vengono curati nel centro recupero animali selvatici e poi quando sono in grado vengono di nuovo rilasciati in natura. Sur le territoire du triage forestier, donc de ces trois communes, il y a plusieurs sites d'importance cantonale ou nationale qui sont des biotopes naturels qui sont protégés par la loi justement sur la nature. Et comme triage forestier, nous avons des compétences dans ce domaine puisqu'on contrôle ces ouvrages, on contrôle ces biotopes, on fait en sorte qu'ils restent dans un état le plus naturel possible, on signale d'éventuelles contraintes ou d'éventuels problèmes sur ces biotopes. La coupe de bois est organisée de la manière suivante. On commence par le martelage, donc ça c'est une compétence du garde forestier sous contrôle de l'ingénieur d'arrondissement. Nous allons en forêt, nous martelons la coupe, donc le martelage c'est le marquage des arbres qui seront prélevés pendant l'exploitation. Ensuite, en fonction de la situation, de la topographie, du volume de bois, on réfléchit à la meilleure manière de récolter ces bois, soit c'est une installation téléphérique pour sortir les bois, soit c'est un travail avec l'hélicoptère ou un débardage au treuil. Donc on choisit la meilleure méthode de débardage et ensuite on planifie le chantier. Une fois que c'est fait, les forestiers bûcherons entrent en action, donc ils vont sur le terrain en forêt, ils préparent les bois, l'abattage des bois, ensuite on fait l'extraction de ces bois. Et puis les bois sont amenés à port de camion, donc ça veut dire à portée de grue. Et là, c'est de nouveau le travail du garde forestier de chercher des acheteurs pour vendre ces grumes. Donc tous les bois de bonne qualité sont vendus dans des scieries qui elles-mêmes les transforment en bois de construction, etc. Et puis tous les assortiments, c'est-à-dire tous les bois que l'on n'arrive pas à vendre à des acheteurs, ces bois sont achetés par l'entreprise, donc par Ecoforêt, et ensuite transformés dans notre scierie en sous-produits. Donc le système de nouveau de l'entreprise comme elle est organisée là permet la meilleure mise en valeur possible de tous les bois qui sont prélevés. La vente des bois appartient au propriétaire de forêt. Donc elle ne revient pas au triage. Nous comme triage, nous sommes un acheteur de bois parmi d'autres par rapport aux bourgeoisies. Et quindi con questa legna che tiriamo fuori dei lavori nel bosco. Una gran parte viene venduta nelle segherie qua attorno e noi compriamo solo la legna che è di basso valore, diciamo. E con questo prodotto cerchiamo di metterlo di nuovo
in valore di migliorare sia la qualità che i prodotti che possiamo fare con questa legna. Lì dentro c'è il legno, c'è compliqué en italien, c'est un peu technique. On va continuer plutôt en français. Donc à l'intérieur de ce bois qu'on rachète, avec ce bois qu'on rachète, on a différents produits. Le premier, c'est du bois énergie. Donc ce bois énergie, c'est bien sûr du bois de mauvaise qualité qu'on ne peut pas utiliser autrement. Donc on le transforme soit en bois déchiqueté, qui sera utilisé par des chauffages à distance. Sur le périmètre du triage, on a deux, trois installations qui utilisent ce genre de produits. Sinon, on fait aussi du bois en bûche pour les particuliers, donc du bois de feu qui est débité, fendu, qu'on livre chez le client, qu'on met en tas chez le client. Donc de nouveau, au niveau de l'entreprise, ça nous apporte un volume de travail intéressant dans des périodes où on peut faire moins de travaux en forêt. Mais en même temps, pour le propriétaire, ben, ce bois est bien vendu puisqu'il est acheté par le triage et mis en valeur. Donc une partie bois énergie et tout ce qu'on peut scier, donc nous sommes équipés avec une installation de sciage, on peut transformer ces sous-produits soit en produits simplement sciés qui sont revendus à des propriétaires privés pour faire construire des bâtiments, des toitures ou pour faire des aménagements extérieurs. Donc on a des clients qui viennent se fournir chez nous comme s'ils allaient dans une scierie habituelle. Et puis, dans nos activités, on réalise aussi des ouvrages chez des propriétaires privés, des escaliers extérieurs, des terrasses, des barrières de protection. On fait aussi du mobilier de jardin, des tables extérieures, des bancs, des petites places de jeu pour les enfants, etc. Et bien sûr, tous ces ouvrages que nous réalisons sont produits avec le bois indigène que l'on a exploité dans les forêts. Sans cette activité du triage forestier, sans cette diversité de travaux qui est réalisée par le triage, eh bien ce bois ne trouverait pas d'acheteur puisque ce sont des bois de mauvaise qualité. Donc de nouveau, on se rend compte que le propriétaire tire un intérêt d'avoir une entreprise qui met en valeur son bois. Et nous, comme entreprise, eh bien on profite de ce produit indigène qu'on a, on le rachète au propriétaire. Et on le met en valeur pour apporter un plus à l'entreprise. Et financièrement, ces exploitations forestières sont payées de la manière suivante. Il y a des subventions qui viennent de la Confédération, donc de l'État si on veut. Donc un contrat de prestation est signé entre la Confédération et le canton du Valais. Ça donne une enveloppe financière pour une période de 4 ans. Et ensuite, le canton signe de nouveau un contrat, cette fois-ci avec le triage. Aussi pour une durée de 4 ans. Donc pour nous, c'est intéressant aussi au niveau de la planification puisque nous avons un volume de travail par tranche de 4 ans. Donc on sait aussi quel budget on a à disposition, ce qui permet d'investir aussi dans des machines forestières, ce qui permet de faire des réflexions à plus long terme sur l'engagement du personnel, etc. Donc c'est un système qui fonctionne relativement bien. Et au niveau du propriétaire de forêt, donc il reçoit d'un côté des subventions du canton et le produit de la vente des bois. Et avec ces deux entrées financières, ils payent les activités des entreprises, donc principalement écoforêt, mais nous avons aussi des sous-traitants. On ne réalise pas l'ensemble des travaux nous-mêmes pour des raisons financières. On ne peut pas investir dans certaines machines qui sont trop coûteuses par rapport au volume de travail qu'on a. Donc nous, on gère l'ensemble du chantier, mais on engage aussi des sous-traitants. Et à la fin, on fait une facture générale aux propriétaires de forêt avec nos prestations et les prestations des sous-traitants. Per entrare nel corpo forestale, per entrare a fare parte di questa famiglia, bisogna passare innanzitutto un concorso regionale che prevede delle prove scritte, delle prove orali. Preliminare la prova di francese, essendo la regione autonoma Valle d'Aosta una regione bilingue. Dopodiché, i posti messi a concorso, i ragazzi che passano per primi vengono ammessi a un corso che ha una durata minima di 6 mesi. In questo corso gli viene spiegato, gli viene insegnato in maniera teorica ma anche in maniera pratica che cosa vuol dire fare il forestale, quali sono i suoi compiti, quali sono tutte le materie che deve sapere,
e sono parecchie, perché se uno pensa alla parola ambiente e prova a figurarsi nella mente che cosa gli viene in mente, noi siamo in tutte le sfaccettature dell'ambiente. Quindi dopo 6-7 mesi di corso vi è un ulteriore esame, e coloro che passano anche questo esame vengono poi destinati nelle stazioni, nei comandi di stazione sul territorio dove iniziano la loro carriera. D'un point de vue structuration forestière en France, on va commencer par l'enseignement. Donc on a plusieurs possibilités en France pour devenir forestier. Il y a l'école forestière de Nancy, qui s'appelle maintenant AgroParisTech. Il y a des centres de formation de techniciens. Et puis, ces centres de formation de techniciens peuvent former soit des personnels privés, soit des personnels publics. Ça va dépendre d'un concours, entre autres. Et on peut aussi avoir des recrutements de personnes qui viennent d'écoles d'agronomie, d'écoles d'agriculture et de l'université. Pour rentrer aux eaux et forêts, enfin à l'Office national des forêts maintenant, il y avait soit un concours d'entrée au niveau des écoles, et ces écoles formaient des élèves fonctionnaires qui ensuite étaient mis à disposition dans les services. Maintenant, le système a changé et ce sont soit des concours d'entrée directement auprès de l'ONF. L'ONF dépend du ministère de l'Agriculture, donc ce sont des concours qui sont mis en place par le ministère de l'Agriculture. On a aussi des collègues qui rentrent sur ce qu'on appelle des fonctionnaires de droit privé qui sont directement embauchés par l'Office national des forêts. Ça, c'est la formation initiale. Et puis après, il y a des systèmes de formation continue. C'est-à-dire que les personnels qui sont en poste, bien évidemment, doivent continuer à se former parce que les techniques évoluent, les méthodologies évoluent. Et puis, il y a de plus en plus de nouveaux outils, entre autres des modèles qui sont mis sur le marché. Donc là, ce sont des sessions de formation continue qui sont animées par exemple par des centres de recherche ou des centres de formation professionnelle spécifiquement dédiés à ce genre d'action. Ce système d'entreprise comporte beaucoup d'avantages puisqu'il permet déjà la création de postes de travail et le maintien de postes de travail à l'année. C'est vrai que dans les régions de montagne, avec l'hiver et les grandes couches de neige, c'est souvent difficile de maintenir des postes de travail durant cette période. Mais avec notre organisation en entreprise, avec les activités annexes qu'on réalise, notamment la scierie, les travaux pour tiers, les produits finis, ça nous permet de garder ce personnel à l'année. Ça permet de maintenir aussi un savoir-faire dans les travaux d'exploitation forestière. Donc c'est un système, à mon avis, qui apporte des avantages tant pour le propriétaire que pour l'entreprise elle-même. Dans le cadre de ces projets Interreg, donc on a pu aussi se confronter avec nos collègues italiens ou français, et c'est vrai qu'on constate des différences dans l'organisation du service forestier. Je pense qu'en Suisse, on est les seuls, du moins de ce qu'on a pu constater, qui sommes organisés en entreprise comme nous, avec la partie non seulement de planification forestière, mais aussi de réalisation des travaux. En Suisse, dans les autres cantons, romands, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, le système des triages forestiers se met en place gentiment. Mais en Valais, ça fait déjà depuis le début des années 80 que les premiers triages forestiers ont vu le jour.
Et ce système d'organisation en entreprise a fait des émules, puisqu'il y a maintenant aussi donc, ces autres cantons qui commencent à copier un petit peu le système valaisan et qui eux aussi s'organisent en entreprise. Sinon, à la base, le garde forestier était engagé par une commune, mais il était la seule personne engagée et les travaux étaient réalisés par des entreprises tierces, des entreprises privées. Donc ce n'était pas une entreprise qui était celle des propriétaires. C'était vraiment le garde forestier qui faisait sa planification sylvicole et des entreprises externes qui venaient réaliser les travaux. Notre système a l'avantage de réunir toutes ces compétences dans une seule entreprise. Tout le bénéfice de cette organisation revient aux propriétaires de forêt, donc aux propriétaires publics. Je coordonne actuellement un projet interrégional espace alpin qui s'appelle Rock the Alps, dont le slogan est « Les forêts de montagne sont des rockstars ». L'objectif de ce projet est très ambitieux, c'est premièrement la réalisation d'une cartographie harmonisée à l'échelle de tout l'espace alpin qui comprend 6 pays, ça va de la Slovénie jusqu'à la France en passant par l'Italie et l'Autriche entre autres, et c'est en même temps la création du premier modèle harmonisé de simulation trajectographique. C'est un projet qui n'a pu avoir ce résultat que grâce à la mise en commun de nos données. Pour la première fois, on a créé une base de données d'événements chute de pierre sur la totalité de l'espace alpin. On a recensé plus de 10 000 phénomènes. Et avec ces résultats et leurs analyses, on a pu démontrer que de l'ordre de 20% des forêts de montagne avaient un rôle de protection vis-à-vis des risques rocheux. Ça, c'est un exemple de coopération sur une vaste échelle. Mais on a eu aussi des travaux de coopération entre la France et l'Italie, la France et la Suisse, dans le cadre de projets qui s'appelaient les Interreg franco-suisse, franco-italien, forêt de protection, où on a pu, en se basant sur l'expérience de nos collègues suisses, qui ont été les premiers à se doter d'un guide spécifique à la fin des années 90, et pour le Val d'Aoste et la partie française, on a adapté ce guide à nos conditions de travail, à nos conditions géographiques, et on dispose maintenant d'un outil d'aide à la gestion de ces forêts de montagne. Ce sont des guides qui n'auraient pas pu voir le jour sans ce travail de coopération internationale, et c'est très important. Alors, je parle de coopération internationale, mais on a aussi des travaux de coopération avec nos collègues de terrain côté France, donc nos collègues de l'Office national des forêts, parce qu'il faut savoir que la gestion forestière en France est organisée en fonction de la nature de la propriété forestière. Si la forêt est soumise au régime forestier, c'est-à-dire que ce sont des forêts qui appartiennent soit à l'État, soit aux communes, soit aux régions, ces forêts sont gérées par l'Office national des forêts, qui a un service particulier qui s'appelle le RTM, Restauration des terres en montagne, qui est là pour la gestion, enfin l'aide à la gestion des risques naturels. Pour la forêt privée, il y a les centres régionaux de la propriété forestière privée, qui eux vont faire un travail d'animation avec la Fédération nationale des communes forestières qui se décline au niveau régional par les fédérations régionales des communes forestières et qui vont effectivement fournir un conseil. Nous, en tant que centre de recherche, on intervient aussi bien pour l'ONF que pour ce centre régional de la forêt privée et on peut mener soit des expertises, soit les aider à résoudre des problèmes qu'ils ont au quotidien et entre autres la création de guides, la rédaction de guides font partie de ces travaux de soutien auprès de ces structures. On intervient aussi auprès des communes, parce que les communes, ce sont des principaux propriétaires forestiers, donc on intervient en conseil. Con i colleghi francesi dei servizi forestali abbiamo da tempo delle collaborazioni nell'ambito dei progetti europei. Si tratta di attività che sono legate alla gestione delle risorse naturali, in particolar modo legate agli aspetti silvicolturali, faunistici e anche legati alla gestione dell'acqua, senza tralasciare gli aspetti legati ai cambiamenti climatici che sono una questione molto importante che non dobbiamo dimenticare.